Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon maquillage quotidien de l'automne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Au préalable, j'ai déjà appliqué mes soins. Étant donné qu'en ce moment j'ai beaucoup d'imperfections, je ne mets absolument pas de bébé crème. C'est pourquoi je commence avec mes deux anti-cernes préférés, le Match to Cover de Essence et le Boeing de Benefit. J'applique tout d'abord la couleur la plus claire dans les zones les plus foncées pour bien illuminer. Et je vais rajouter de la couleur la plus foncée. Et vu que ça ne me convient pas vraiment, je vais rajouter le Boeing sur les zones où j'ai mis la couleur la plus claire. Pour fixer le tout, je vais en prendre une poudre, c'est la Pure Skin de chez Essence et avec un cabuquet de chez ELF, j'applique ça sur tout mon visage. J'ajoute un blush et le Benetine de chez Benefit et je viens l'appliquer sur mes joues. Avant de terminer le teint, je prends un baume à lèvres, celui-ci c'est un Carmex. Je reviens au teint avec le Sugar Bomb de chez Benefit que j'applique sur mes joues. Pour finir, je viens prendre un highlighter, c'est le So Glow de chez Essence. Mon teint est terminé, vous voyez que je ne fais pas grand-chose, mais en même temps, l'été est parti, donc les boutons reviennent. Pour débuter avec les yeux, je vais prendre ma base qui est la Urban Decay en teinte Eden et je l'applique sur mes paupières. Je poursuis avec la Naked Basic, je vais prendre le fard Foxy et l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je continue en prenant ma Naked et je viens prendre le fard Buck que j'applique dans le creux. Parfois je m'arrête là parce que je trouve que ça définit beaucoup le regard et quand je ne me maquille pas les yeux, je fais juste ça et c'est magnifique. Je prends un fard de chez MAC, c'est le Concrete, je l'applique dans le coin externe et je remonte un petit peu. Finalement je viens estomper le maquillage. Je reprends la Naked Basic avec le fard Venus, je viens le mettre en coin interne. Je reprends également le Concrete que je mets en dessous de mes yeux. Pour finaliser le look des yeux, je prends un recourbe-cils et mon mascara de chez Aven. Je recourbe mes cils et après je viens appliquer du mascara. Pour mes sourcils, je reprends le fard Concrete que j'applique à l'aide d'un pinceau biseauté. Pour terminer, je viens appliquer un rouge à lèvres, c'est le Velvet Teddy de chez MAC. Voici mon maquillage terminé, j'espère que ça vous aura plu. Gros bisous et merci d'avoir regardé. Bye!